Marty, quelle sera votre épitaphe? Ça a commencé où, là? Marty, merci. Mardi, mercredi prochain, je recevrai parallèlement Mussolini et Django Reinhardt qui débattront debout du prix d'une chaise. Bonsoir. Je reconnais ce décor. On est dans Internet, c'est ça? Dis donc, mon vieux, faut vous reposer, hein. Attendez, on est en quelle année, là? En 1955. En 1955? Mais non, on est en 2015. On est en 2015? Ouais, bah, faut arrêter d'halluciner à chaque fois que je dis une date. 2015, c'est l'année où... L'année où Internet a sorti ses vidéos d'anus de calamar. Vidéos qui ont provoqué un buzz mondial épuisant toutes les sources d'énergie de la Terre, replongeant ainsi l'humanité à l'âge de pierre. Des vidéos d'anus de calamar? Mais c'est une super idée, ça! Oh là là! En plus, c'est moi qui viens de leur donner l'idée! Faut absolument que je remonte le cours de cette interview. On pourrait faire comme ça un travelling avant, comme ça. Sur les anus de calamar bien poilus, comme ça. Attendez, les huîtres sont déjà devenues la monnaie officielle de l'Europe? Mais c'est une super bonne idée, ça aussi! Oh merde! Ça aussi, c'est moi. En plus, mon oncle est ostréiculteur. Oh, stop! Quelle heure est-il? 22h04, exactement. 22h04? Oui, exactement. Wow! Hé, hey, oh! Non, mais vous êtes complètement con ou quoi? Doc? Non, non, je suis... le professeur Tan! Je m'en balance, moi, du professeur Tan. Où est Doc? Ah, d'accord. Le doc était pas dispo, le visiteur du futur, pas dispo non plus, les frères Bogdanov, totalement incompétents, le mec de Code Canto, personne ne le reconnaît jamais, puis Bruce Willis, gastro-entérite. Et alors? Bon, tu veux revenir au début de l'interview? Ouais. Bon, alors mets ta main là, dépêche-toi, il te reste que deux secondes! Bac jour, le temps est tout pourri, il est trop tard pour la cantine et les Libyens sont en bas à droite, page 83. Je reçois ce soir celui qui couche avec sa mère, celui qui confond 1515 et 1418. J'ai nommé le PC volant, Marty McFly. Marty McFly, bonsoir, bonne année, bonne Pâques. Marty, concentre-toi. Alors, Marty, une question avant toute chose. Oui. Qu'est-ce qui va faire le buzz sur Internet dans le futur? Allez, les anus de qui? De chat. Les anus de chat. Voilà. Les anus de chat, encore ouais. Les chats, mais c'est pas possible, mais qu'on les tue ces chats, qu'on les scie, qu'on les coupe en deux, qu'on en fasse de la pâté pour chat, merde. Je comprends. Oh, je suis déçu. Qu'est-ce qu'on va faire avec des vidéos de chats? Je vais pas faire des vidéos de chats. Vous voulez que j'en fasse des vidéos de chats, c'est ça que vous voulez? Oui. Mais je ne ferai pas ça des vidéos marcher. De chats. Non. Finissons cette émission. Alors, une question qui va rester dans les annales du calamar. Quelle sera votre épitaphe? Mais ça a commencé où, là? Marty, merci. Mardi, mercredi prochain, je recevrai parallèlement Mussolini et Django Reinhardt qui débattront debout du prix d'une chaise. Bonsoir. Ah. Bon, antenne dans 8 secondes. Bon, je disparais. Ouais, je me casse. Hé, je te préviens, je compte sur toi. Pas un mot sur les anus de calamar. Hey, c'est une super bonne idée, ça. On pourrait faire des vidéos sur les anus de calamar. Oh là là. 3, 2... Bac jour, le temps est tout pourri, il est trop tard pour manger à la cantine et les Libyens sont en bas à droite, page 83. Maintenant partage cette vidéo et choisis entre vivre au Moyen-Âge avec un GPS ou en 2415 avec une Twingo.